c'était un moment de canicule où j'avais besoin d'eau et j'en avais pas. Étonnamment, ma binôme Sine, elle l'a appelée la rivière, alors je lui ai pas du tout parlé de ça. La tête tournée vers l'univers. Pour composer la rivière, j'ai commencé avec des percussions. Donc tout est parti du kit congolaisi. J'adore ce kit. Je trouve super chaleureux et tout. J'avais mis des bongos. Juste des bongos qui ont quand même pas mal de délai. Avec une petite maracas qui marque le temps. Ensuite, par-dessus ça, j'ai rajouté une toute petite percussion du groupe West Africa. Là, je trouve qu'on est super bien installé. Il y a quelque chose de très enveloppant, assez chaleureux. Et ensuite, suite à ça, j'ai rajouté un kick. Ça, c'est dans le Junction Kit. Et voilà, après, encore de nouveau des snares et puis des petits hi-hats dans le Stéphane Bodzin Libé Kit. Après, je me suis permis de faire un peu des petits pitchs sur les percussions pour qu'elles soient un peu plus vivantes. Donc, si on écoute bien, ça monte. Après ça, j'ai trouvé un petit son de rose que j'aimais bien. Je vais voir si je m'en rappelle. Et là, j'ai tout envoyé à Sine et elle a vraiment bien aimé. C'était ça. Awori a chanté, écrit et enregistré dessus. Et avec cette base-là, ça m'a beaucoup inspirée. Là, j'ai trouvé la basse. C'est Bultrava dans Massive. Ah, le son, je l'adore déjà. Je trouve qu'il y a un côté un peu taquin, un peu malicieux, je trouve, dans ce son. J'ai joué un peu exprès, un peu laid-back, un peu glissant. De temps en temps, elle est là, elle n'est pas tout le temps là, elle appuie un peu, voilà. Et avec cette trouvaille-là, je cherchais à rajouter d'autres éléments mélodiques. Bactérial. J'adore ce son, je le trouve trop bien. Et j'ai ensuite réimporté chaque piste séparée dans un nouveau projet logique. Je me suis concentrée sur l'arrangement et vu à quel moment faire apparaître les choses, quel moment les muter, etc. Donc, par exemple, ça commence avec la basse, mais il n'y a pas encore le Rhodes. Descends de la rivière. Fais voir. Petit break. Et c'est parti pour le Rhodes. Vers l'univers, descends de ton trône. Et là arrivent les bactériales avec une petite break de voix. Et de nouveau, le Rhodes revient et le bactérial s'en va. On s'est beaucoup amusé en créant ce morceau. C'était comme une sorte de terrain de jeu, ouais, avec ses percussions qui bougent, ce kick, ce Rhodes. Il y a presque quelque chose d'un peu insolent, un peu drôle, un peu fun dedans. Tout était fluide, tout était spontané, tout coulait de source comme la rivière.
Donc ouais, pour moi ce morceau il devait exister et il est là, donc c'est cool.